Bonjour à tous et toutes. Me voilà pour une nouvelle vidéo. Pour vous donner de mes nouvelles, des nouvelles de Sénon, des nouvelles de l'actualité sportive. Et des nouvelles de ce que vous savez de ce coronavirus. Qui est malheureusement pas parti. Les règles, merci le gouvernement pour une fois qui fait des choses bien, ont été assouplies. Après, on ne sait pas dans pourquoi ils ont été assouplis, parce qu'apparemment ça baissait et puis, les gens avaient de plus en plus de mal à respecter les gestes barrières qu'il faut encore respecter. Par contre, le couvre-feu est fini, le port du masque et puis voilà, mon intérieur. Après, sauf dans certaines conditions, dans les files d'attente, dans les marchés couverts ou pas couverts, dans les stades, dans les festivals, dans les endroits où il y a du monde où vous pouvez vous la rouper, dans les lieux de travail, dans certains restaurants et bars à l'intérieur, sauf quand vous pouvez, même en terrasse, à certains endroits c'est vous êtes toi, certaines places c'est plus obligatoire, de toute façon dans les places et dans les villes, dehors c'est plus obligatoire, dans les transports en commun par contre c'est obligatoire, dans les trains c'est obligatoire, dans les avions c'est obligatoire. Dans les festivals, c'est obligatoire. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je n'ai pas allé cette année au festival interceltique de l'Orient qu'on avait prévu. Je vais sûrement aller en Bretagne, mais au mois de juin, à la fin juin. À la semaine prochaine, sûrement, parce que le Tour de France a commencé. Il part ce midi, à midi, de Brest. Il arrive cet après-midi vers 16h à Landerneau pour la première étape de cette 100e édition du Tour de France, qui se déroulera du 26 juin au 18 juillet. Première étape, Brest-Landerneau. Les quatre premières étapes en Bretagne. Deuxième étape, Lorient-Pontivy. Deuxième étape, excusez-moi, c'est Pérouse-Guirette, Mur de Bretagne. Ça, c'est la deuxième étape de dimanche, de demain. Et lundi, Lorient-Pontivy, et mardi, Redon-Fougères. Voilà, il y a après une petite Bretagne vers le centre, hein, de Tours, pour redescendre vers Châteauroux. Voilà, puis après, vous verrez tout ça sur l'équipe Papillon, sur Télé Nantes et sur les scènes d'info. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le grand départ de la 68e édition du Tour de France avec l'équipe de Lyon-la-Philippe, de la Française des Oeufs, des équipes étrangères, toutes les équipes qui sont là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dopage cette année. Le Coupe de France tenait, reste en France, à part une petite arrivée en Espagne le 12 juillet. Pour un repos en Espagne, à Andorre, donc on va aller à Andorre, c'est, voilà, c'est la frontière espagnole, en fait. Avant ça, bien sûr, il y en a aussi un autre repos à Tignes, dans les montagnes. Voilà, mais là, pour l'instant, la pause au bris, c'est la première étape. Brest-Landerneau, grand départ! Le grand départ du Tour de France, le coup d'envoi! Alors, pédaler, pédaler, pédaler! D'ailleurs, à Nantes, je reviens sur Nantes, pour l'actualité de la ville de Nantes. La ville de Nantes, que tous ces musées et cinémas et lieux culturels ont rouvrir. Par contre, avec le port obligatoire du mal dans les musées et lieux culturels de Nantes, bien sûr, comme tous les lieux à l'intérieur, les transports en commun de Nantes, de la CEMITA, vous informe qu'il y a pas mal de perturbations, dont on est grands travaux d'été, quand tous les étés. Quand tous les étés, les grands travaux, là, il y a des grands travaux. Sur la ligne 1, entre autres, et entre autres, à la commerce, au niveau de la 3D des rames. Sur la ligne 1, ils sont en train de changer toutes les rails de la ligne 1 de la station commerce à la station gare maritime. Ils ont déjà commencé, ça continue. Ça a commencé plus tôt cette année. Les travaux de la ligne 1 vont durer. Les travaux de la ligne 1 et les grands travaux d'été, parce qu'il y a derrière, il n'y a pas que la ligne 1 qui est impartie par ces grands travaux d'été, qui est surtout refaire cette pôle d'essence du commerce, cette 3D des trams. Ça impacte les voitures, les vélos, les lignes de bus qui passent en centre-ville sont perturbées. Vous mettez plus quasiment 8 heures en voiture ou en bus, en roulé rame,
Pour allier la place du commerce à la station gare maritime, car à vélo, on mettait que 5 minutes en pédalant fort. Hein. Mais voilà, à pied, c'est plus longtemps. Donc voilà, à vous de choisir votre mode de transport. Les transports en commun sont toujours gratuits tout le week-end. Je fais ça. Excusez-moi, c'est pas malade, tout va bien. Sur bonne santé. Et le chez Nantes et le mercato a commencé. Ça, je suis pas le mercato, mais je suis l'euro. Je suui l'euro. La France est encore en lice et la France jouera lundi en huitième de finale face à la Suisse à 21h à Bucarest. Voilà. Ah, sinon voilà, c'était un peu décousu. À vous de juger mon état de santé, mon état physique, mon état. C'est la même décision qu'après vous n'êtes pas médecin. Et moi, je veux juste que tout va bien. Et ça va bien. Et voilà, il faut faire aller bien. Il faut apprendre à vivre avec ce coronavirus. Et je vous invite aussi, d'ailleurs, demain, c'est dimanche 27. Il y a la Vélorussion, demain après-midi. Rendez-vous à 14h à la place Saint-Pierre avec vos vélos pour une grande Vélorussion de ce dernier jour du mois de juin. La Vélorussion d'été. Venez déguisé ou pas, mais avant d'aller à la Vélorussion, parce que les bureaux de vote annoncent ouvert de 8h du matin à 8h du soir, donc avant la Vélorussion, est très important, allez voter la couleur que vous voulez. Allez voter la couleur que vous voulez. Allez voter la couleur que vous voulez. Voilà. Bref. Mais allez voter. Allez voter, allez voter. C'est important. Plus important, c'est d'aller voter. Bon, bref, après, vous faites ce que vous voulez. On est en démocratie, on est en France pour l'instant. Et voilà, et voilà, et bah, c'est tout. Et tout va bien dans le meilleur du monde. Sauf qu'on va avoir encore un week-end pourri. Alors, sortez votre tirette, sortez votre carnet. Et allez la France, allez la Bretagne, allez Nantes, allez tout le monde. Allez, allez, courage, on la sort rien au niveau des barrières, c'est important de continuer à les respecter. On la sort rien plus de jamais. Et j'ai aussi une bonne nouvelle que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Ne vous l'ai pas dit sur Facebook. J'ai reçu mon nouveau frigo que j'ai acheté sans plus de 100 euros, même plus de 200 euros. Moi, voilà, tout avec mon argent en fait. L'autre partie, j'ai utilisé pour préparer mon vélo. Mais en tous les cas, je remercie tous les ans les personnes qui ont mis dans la cagnotte. L'argent que vous avez mis dans la cagnotte, du coup, me servira pour réparer mon vélo. J'ai quelques réparations de mon vélo à faire. Entre autres, mon garde-boue, donc il n'y a rien de méchant. Garde-boue, puis peut-être des petits réglages au niveau des intérieurs. Ouais, c'était moi qui ai mal à passer les vitesses, bref. En tous les cas, je suis hyper content de mon frigo de marque LG, qui est au niveau conservation énergétique, l'étiquette énergétique, au niveau réparation, je sais pas, c'est un vélo d'occasion qui vient d'Henri 44, mais voilà, il est garanti un an. Et il est au niveau de route écologique, alors allez, à voir, à plus, à plus qu'on d'autres, en fait, c'est qu'on d'autres, c'est à plus, on voulait plus rendre d'autres. Il y a renouvelé dans l'air, il fait pas de glace, il est plus dans le taux, il est vachement mieux que d'autres, parce que je vous remercie à tous d'être devenus à mon anniversaire le 5 d'avoir mis dans la cagnotte. Je remercie à toutes mes familles et ma famille d'être là pour moi, et voilà, c'est pas fini, moi aussi je serai là pour vous, je peux me l'apporter et vous dire quelque chose, et débattre avec vous sur des sujets ou d'autres, c'est avec plaisir. Donc, et bah voilà, bah merci, merci à tous. Et bonne journée et bon week-end à tous. Et n'oubliez pas vos cirés. Et n'oubliez pas dimanche d'aller voter la couleur que vous voulez. Et allez la France. Allez Nantes. Allez le cyclisme. Allez le sport. Et bon week-end. Bon voyage. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être pas tout de suite parce que je vais bientôt partir en vacances. Allez, allez, qu'est-ce que là-bas et à bientôt.